Des pluies diluviennes s'abattent sur le nord-est de la France depuis plusieurs jours. Il faut évacuer la population du village de Lübeck. La préfecture alerte l'armée. L'exercice Lübeck, ça commence. Je viens de donner un ordre aux chefs de groupe pour lancer les patrouilles en fait dans le village, puisqu'on vient d'arriver sur zone, et pour notamment rassurer la population et voir ce qu'il en est dans le village. Quoi. Une centaine de militaires ont reçu comme mission sécuriser et évacuer les habitants de Lübeck. Ces militaires sont des réservistes. Ils font partie du vivier de volontaires du guépard réserve de l'armée de terre. Être de guépard, c'est être disponible pour intervenir sur le territoire national, sous court préavis. Les militaires du rang, les sous-officiers ou les officiers qui arment cette réserve opérationnelle sont tout aussi aptes que les gens d'active à remplir les missions communes de l'armée de terre, dans le cadre du ProTerre, ce qu'on a joué ici, mais également dans le cadre des centres opérationnels. On l'a vu plusieurs fois cette année, avec des officiers de réserve qui étaient engagés. Ces gens qui sont finalement des civils que l'on habille de temps à autre en militaire sont tout à fait aptes à remplir les mêmes missions que les gens d'active. Ils sont aptes à prendre leur poste si les gens d'active sont engagés ailleurs. L'exercice Lübeck a permis pour la première fois dans la région un travail conjoint entre les réservistes et les secours départementaux. La Croix-Rouge 55, aidée par le S10 54, a mis en œuvre le CRES, Centre de recueil et d'évacuation des sinistrés. Et pour nous, ça permet déjà de travailler avec d'autres personnes, d'autres moyens et puis surtout d'autres techniques. Parce que nous, on est rodés au niveau sapeurs-pompiers parce qu'on a une procédure bien définie et l'armée a sa procédure bien définie. Donc ce qui permet d'échanger et de prendre, on va dire, ce qui est positif chez les uns et chez les autres pour pouvoir améliorer donc, les conditions d'intervention et surtout apporter notre soutien aux victimes et aux sinistrés. Vers 17h, les Lubéziens ont regagné leur habitation grâce à l'action conjointe des volontaires militaires et secouristes.